m'appelle Herbert Chemira. Le premier jour qu'on est venu ici, nous ont bien accueillis. J'ai bien aimé le camp. Les vacances militaires, le package, c'est un programme qui consiste à faire séjourner des jeunes enfants de 10 à 17 ans, filles comme garçons, dans une enceinte militaire. C'est un programme autorisé par le ministère de la Défense nationale et supervisé par l'état-major général des forces armées béninoises. J'ai autorisé ces vacances militaires dans un camp militaire et à côté d'une école d'excellence, c'est-à-dire l'hôpital militaire de Bembereke. C'est pour un certain nombre de considérations. Et l'aspect qui nous a le plus, c'est réveiller à nos enfants le sens du patriotisme, le sens du devoir bien fait, le sens de l'abnégation. Toutes ces valeurs-là, c'est l'armée qui les représente. Le sens de mettre en haut devant deux mots. L'honneur personnel, l'honneur pour la nation, mais aussi la patrie comme première bénéficiaire de toutes nos actions. Nous poursuivons trois objectifs avec ce programme. Le premier, c'est de consolider le lien armée-nation. Le deuxième objectif, c'est d'imprégner les enfants dans l'univers militaire. On voudrait bien que les enfants voient un peu comment les militaires se comportent dans un camp militaire. Ensuite, le troisième objectif, c'est de revisiter avec les enfants certaines valeurs cardinales de l'armée, notamment la discipline, la rigueur, l'amour pour le travail bien fait, le respect de l'autorité, le respect des aînés et le respect des couleurs. Le bilan de l'année dernière a été très satisfaisant. Tous les enfants partis sont revenus, peut-être un peu fatigués, mais remontés à bloc pour affronter l'année scolaire. En tout, il y a eu 100 enfants participants, 75 garçons, 25 filles, venus des 12 départements du Bénin. En allant à Bembereke, nous avons marqué des escales à Calavi, à Moïcan, à Dassa, à Tcharo et Parakou, pour prendre les enfants des autres départements. Les enfants se réveillent généralement tout le matin à 5 heures du matin dans le camp pour ce qu'on appelle le sport matinal obligatoire. Ils saluent le drapeau tous les matins. Ils vont au cours de vacances à l'intérieur du camp même. Les classes ouvertes étaient du CM2 jusqu'en terminale. Les enfants sortent du camp par moment et font du tourisme. Les enfants étaient initiés à la vie militaire par des pratiques militaires, du camping, des exercices d'éveil et des exercices de dépassement de soi. Pour participer aux vacances militaires, il faut satisfaire à trois conditions. La première condition, c'est la condition d'âge, c'est-à-dire être âgé de 10 ans ou moins de 17 ans ou plus, être une fille ou un garçon. Ensuite, être en bonne santé physique et mentale, justifié par un certificat de visite et de contre-visite, délivré par un hôpital d'instruction des armées ou un centre médical de garnison. Ensuite, payer les frais de participation à ce programme. Ces frais-là couvrent tous les différents aspects du programme, le déplacement, la restauration, le forfait santé, l'assurance voyage, l'assurance séjour, les sorties touristiques et les cours de vacances. Pour nous joindre, nous sommes au quartier Djonke, en face de la pharmacie Djonke au 5e étage. Nos contacts, le +229 65 91 33 65 ou le +229 66 10 17 09. Vous pouvez également visiter notre site internet www.lesvacancesmilitaires.com ou notre page Facebook Les Vacances Militaires 2019. Je voudrais rassurer les parents que les enfants sont en sécurité 100%, plus que même pendant le séjour au centre de formation militaire de Bembereke. Il y a un centre médical à l'intérieur du camp militaire avec des médecins qui ne sont jamais en grève, donc disponibles de jour comme de nuit. Je voudrais remercier Monsieur le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, pour tout son accompagnement sur ce programme. Remercier également tout son cabinet, remercier la direction de la participation de l'armée au développement et aux tâches d'intérêt public, remercier le chef d'état-major général des forces armées béninoises et bien entendu remercier les commandants du centre de formation militaire de Bembereke et du prétané militaire de Bembereke. À tous les parents qui nous ont fait confiance l'année dernière et qui ont déjà renouvelé la confiance en renvoyant leurs enfants au centre de formation militaire de Bembereke, nous venons également leur dire nos remerciements. Les enfants quitteront Cotonou le 24 juillet 2019.
et reviendront en famille le 23 août 2019. Donc en somme, ça fait 4 semaines de rigueur, 4 semaines de discipline, 4 semaines d'éducation civique et militaire, 4 semaines de tourisme, 4 semaines de dépassement de soi, 4 semaines d'exercice d'éveil. Nous espérons, et c'est le but de ce programme-là, que vos enfants reviennent mentalement plus forts et mieux aguerris physiquement pour commencer la rentrée prochaine. Et on nous réveille très tôt, j'ai même pas bien dormi. Surtout à midi, je dors très bien, mais si j'attends le coup de sifflet, on dirait que j'ai envie de tomber sur mon lit.